bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure où vous regardez la vidéo. Nous voyons un gros coup de salutation pour vous-même. Et nous voulons profiter pour ça pour nous capables excuser nous auprès de vous parce que ça y est en pile temps depuis que nous ne pouvons pas recevoir l'émission rencontre, pour ne pas attendre nous. Et il y a plus de monde qui a demandé est-ce que c'est campé ou campé. Donc nous venons pour nous dire nous rebalancer et cette fois-ci nous tourner pour de bon. Nous avons avec nous aujourd'hui un invité qui est un responsable, et pour ne pas dire le responsable des planifications à l'équipe de Précis. Et nous pourrons gagner chance aujourd'hui pour nous capables recevoir le parmi nous, mais juste avant, on a fait un petit coup de pause et puis on a tourné dans un petit moment encore. Bonsoir Zema, bienvenue dans l'émission Rencontre Jodia qui est présentée par Cap Haïtien News et amis par Verland Cadet. C'est un plaisir pour nous capables recevoir dans l'émission nous Jodia. Bonsoir Verland et bonsoir ou bonjour à toutes et monde qui pourra regarder l'émission ça. Et c'est un plaisir pour nous capables présents dans l'émission Cap Haïtien News organisée qui se rencontre. Oui. Et c'est un plaisir pour nous parler de Précis et ensemble de activités que nous avons réalisées dans la ville Cap Haïtien. Très bien. Et Franz Azemar, nous croyons même c'est responsable planification dans l'équipe Précis. Mais bien avant que nous parlions de tout ça Précis réalisé, de tout ça Précis gagné dans Djakouti pour la population capaïtienne, on nous parle d'abord de qui ça qui Précis. Est-ce que Précis c'est jeune ou qu'on de la Précis qui sont adjectifs de précision, ou du moins est-ce que c'est un acronyme, est-ce que Précis même qui s'allie, parlez-moi un peu plus de Précis. En fait, Précis, c'est un acronyme, c'est promoteur de l'éducation pour la culture intellectuelle et sociale. Okay. C'est une organisation qui forme des jeunes qui sortent dans plusieurs universités et dans la ville Cap-Haïtien et dans plusieurs autres universités dans le pays. C'est une organisation qui prend naissance le 20 janvier 2018. Ça veut dire 20 janvier 2022 que ça passé à dans nos 4 ans depuis que nous avons organisé des activités, depuis que nous avons promoté éducation, nous avons promoté savoir, nous avons promoté culture dans la ville au Cap et plus précisément dans le Grand Nord pays. 4 ans, pas 4 jours, déjà, ce n'est pas un mess à faire, c'est quelque chose de grandiose. Donc, dans nos équipes Cap Haïtien News, là, moi, félicite chaque grand membre qui nous apprécie. Mais, ou dit, nous habitués à organiser un peu l'activité, nous avons 4 ans depuis nous avons organisé des activités qui ont rapport avec éloquence, et pas éloquence, non, culture, éducation, etc. Donc, est-ce capable de nous précisément qui activité nous organiser comme ça durant 4 ans, ça? En fait, nous organisons plusieurs activités qui liées à domaine éducation surtout. Et nous organisons nous participer dans organiser formation pour plusieurs élèves, pour professeurs, tout ça. Mais activité phare nous, c'est une compétition de culture générale qui est le Précis Génie. Et à Dessa, c'est la 4e édition de Précis Génie que nous avons organisé. C'est la principale activité que nous organisons. C'est une compétition de culture générale qui regroupe plusieurs écoles, okay, plusieurs institutions scolaires dans la ville Cap-Haïtien. Côté que durant 4 mois, de janvier à avril, chaque année, l'école Sao frotte Médenjio. Chaque année depuis 4 ans. Depuis 4 ans, en fait, okay, depuis 2019. Donc, année ça, c'est 4e édition. 4e édition Précis Génie, exactement. Donc, c'est quelque chose de grand. Mais pour 4e édition, comment ça est? Est-ce que ça finit déjà? Ou du moins, est-ce que nous pouvons commencer? Nous avons pris la 4e édition Précis Génie. Bon, avant d'arriver dans la 4e édition, l'étape beau, c'est nous faire un tir aller pour les gens qui ont regardé l'émission et côté Précis Génie sorti. Important. En fait, la première édition a été organisée dans le mois de janvier 2019, de janvier à avril 2019. Il y a 5 écoles qui prennent part. Il y a le Collège Martin Luther King, le lycée national du Tiboukman, le Collège pratique du Nord, entre autres. Et l'édition a été remportée par le Collège pratique, par le lycée national du Tiboukman. C'était okay, première édition. Première édition. C'était faite de janvier à avril 2019. Okay. Deuxième édition a été faite de janvier à septembre 2020. Donc, deuxième édition, tu prends plus de temps. Tu prends plus de temps. Okay. Ça crivait, c'est parce que nous avons une période spéciale. Tu as une pandémie, dans le contexte pandémie, côté l'école est campée. Tu as un pile scepticisme quant à la réalisation de l'activité. Mais nous avons dit quand même, et depuis l'école faite, quand même, il faut nous frapper. Et nous avons commencé mois janvier, mois mars. Et pays a vu le confinement tout bail. Nous venons recommencer mois septembre. Et l'édition ça a été remportée par le Collège Pratique du Nord après plusieurs mois. Campé après plusieurs mois d'activité. C'est
édition qui m'a demandé nous plus sacrifices jusqu'à présent. Et troisième édition, on t'a pas le fait. Ok, ok, ma foutique, parce que je voulais pour Mounio, qui a regardé vidéo à Kembe, qui côté nous commencer et puis qui côté nous venir. Donc, première édition, on a commencé avec 5 l'école. Deuxième édition, c'est 6 l'école. Ok, tu es venu un nouveau collège qui a ajouté, non pas nouveau collège, non, et collège modèle. Vin gen collège Suzanne Chouin qui vient ajouter. Et puis, troisième édition, hein, qui s'est faite de janvier à avril 2021, qui est faite avec 11 l'école. Donc, wow. Nous passons de 6 à 11 l'école. Et vin gen de l'école, tant que le collège Saint-Joseph des Frères de l'Instruction Chrétienne et FIC qui a ajouté, vin gen des écoles, tant que nouveau collège du Nord qui jouait, institution Saint-Thomas d'Aquin qui jouait. Et édition ça encore été rivé remporté par collège pratique du Nord. Okay, et la deuxième fois. Et année à nous sur 4e édition, côté nous t'ai gain 12 l'école qui t'ai participé. Édition ça a commencé 22 janvier et 2021. Mm-hmm. Son édition en cours et la fini 30 avril. Actuellement et quart de finale yo sont joué et 23 avril on a démarré avec demi-finale côté qui a gain 4 l'école qui a joué demi-finale qui c'est collège Martin Luther King et collège Jean 23, lycée national du Tibukman et puis lycée national Philippe Guerrier qui a joué demi-finale. Et puis finale là c'est 30 avril. Waouh, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment à féliciter parce que dans 4 ans nous fait un pile parcours et nous fait un pile progrès tout parce que passer de 5 l'école à 12 l'école et nous connaît comment terrain y est, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Donc mais pendant 4 ans ça, qui plus gros challenge nous rencontrer puis qui plus gros bagaille qui manquait nous dans réalisation précis génie. En fait, faut que moi dire l'idée précis génie même li sorti par rapport à un manque qui gagne. Et moi m'avo n'a fonctionné dans pays a n'a vivre dans pays a n'a vivre dans ville cap haïtien nous est que gagnon grande décadence dans niveau éducation dans niveau timoun yo côté que gien plus médiocrité qui promote gien plus activité qui pas vraiment intéressant qui promote ça vraiment ça, rapport avec le savoir le savoir exactement ça c'est premièrement deuxièmement et moi même avo nous là dans au cap nous est que pas vraiment gien un espace côté que timoun qui l'école par exemple collège Notre-Dame là capable rencontrer avec tout le monde qui est l'école lycée. Donc pas un espace qui fait jeunesse là qui fait jeune rencontrer mélanger exactement. Et me songe dans génération par nous t'ai gain plusieurs activités, t'ai gain Versailles ciné, t'ai gain génie royal que ancien membre précédé qu'on jouait tout ça et puis nous dit n'a fait une activité non seulement cap servir dans espace pour que jeunesse là pour que élève l'école capable rencontrer mais deuxièmement n'a fait activité pour nous capable mettre en évidence savoir culture n'a cultiver des valeurs donc mérite OK mérite académique les petits monde a fait effort fort pour récompenser OK n'a cultiver des valeurs tout en pour compétitivité côté que nous ca compétiteurs mais nous pas ennemis pour ça nous ca nos situations côté n'a pas affronté une l'autre mais immédiatement que ça finit nous bail respect et puis nous avancer. C'est toute valeur ça que nous mettez avant qui fait que nous fait prestiger nous. Donc c'est en gros c'est valeur ça qui derrière l'idée qui derrière activité qui fait depuis 4 ans malgré difficulté, malgré corona, malgré pays lock et malgré pas de sponsor parce que nous connaissons pas. Yeah. Parce que me connaît comment terrain et me connaissait des jeunes qui a organisé. Me vraiment une pas qui moyen nous passer pour nous capable réaliser grand bagage ça parce que me connaît pas vraiment gagner des sponsors que capable jeune pour organiser genre de activité ça. Bon. Donc c'est une raison en plus pour nous capable féliciter nous parce que réaliser un bagage comme ça demande un pile dévouement, demande un pile détermination tout. Et nous gagne 4 ans à frapper, 4 ans c'est pas 4 jours m'a dit c'est gros bagaille et monsieur que c'est pas là nous voulons être donc nous t'amener pour capable dire comment précis projeter tête li dans 5-10 ans est-ce que nous voulons limiter seulement à organiser des génies à travers la ville du cap haïtien ou du moins est-ce que nous voulons faire quelque chose de plus grand même génie ou du moins si on l'autre bagaille dans le même domaine et savoir culture intellect etc précis voulons être comme une référence comme un patrimoine dans le cap parce que nous-mêmes capois nous sommes un groupe de monde qui est très conservateur nous croyons dans valeur que nous gagnons nous croyons vous comprenez même si
papa Léon n'est au cap de Christophe. Non, non, vous comprenez? Papa Léon, papa, papa les mal de mon ça. Papa Léon, papa Léon au cap mal devant on est au cap devant mon au cap l'état manger. Donc nous voulons construire un patrimoine dans au cap dans question savoir, dans question éducation. Précisément a toujours été principale activité nous parce que nous croyons que faut meilleur élève yo. Faut élève qui bien intelligent yo, qui pi brillé yo, qui pi calé yo, gagne un espace côté que yo capable exposer ça au gagner. Pas seulement médiocrité parce que nous connaissons là vraiment, mais faut que moun ça au gagne un espace et prestigieux cet espace ça. Pour dire public là, OK, même moun ka fait fort, même moun qui c'est avenir pays. Donc ça a toujours été principale activité nous. Mais parallèlement et n'a toujours organisé des activités dans le domaine d'éducation, qu'il y a savoir, qu'il y a à culture, qu'il y a un paquet d'autres activités par exemple. Et nous comptons organiser des séminaires sur orientation professionnelle pour capable permettre jeunes yo capable orienter après l'école, plusieurs autres activités qui fait et qui surtout visé éducation exactement. Mais précisément c'est principale activité nous et objectif nous c'est faire une quantité d'éditions de précisément même là attendez parler de c'est mettre précisément nos niveaux même je attendez parler de The Voice qui c'est un autre concours qui fait dans question chanter musique tout ça mais dans 20 dans 30 ans même si nous pas là encore pour que l'autre génération qui va venir après la relève quand même après la relève à organiser précisément. Donc et assez merci en pile parce que vous avez décidé de venir dans l'émission rencontre et monsieur est certain que monde qui a regardé l'émission apprend en pile bagaille de précis et monde ça yo prochaine fois précis a fait match a gagné match monsieur est certain que monde ça là. Merci assez parce que vous avez décidé de participer avec nous dans l'émission rencontre. Merci à vous même qui toujours a regardé qui toujours attendre qui toujours veiller vidéo qui toujours veiller vidéo et émission rencontre. C'était un plaisir pour nous capable partager avec l'émission ça. Assez avant nous aller on dire dernière parole dans quelques secondes et puis pour nous capable dire mon yo bye bye. OK et dernière parole m'a bien c'est premièrement m'a saluer tout membre précis qui a fait un travail colossal et m'pa ka laisser m'pa voyer un coucou de chapeau pour yo coordonnateur général non destin régional secrétaire général Kola Winzi Emmanuel et animateur Peterson Jules ainsi que l'autre membre Nancy qui est responsable logistique Maslin ensemble de monde qui a fait un travail qui est extraordinaire dans précis nous pas de aller sans pas voir beaucoup de chapeau pour et puis pour public là n'a dit continuer supporter précis génie continuer bail jeunesse là espace pour capable montrer ça au café capable exposer et puis et tout le monde n'a attend yo dans demi-finale au 23 avril vienne assister vienne apprendre vienne découvrir belle activité ça et puis et on prioriser éducation parce que Dante me songer Dante te dit après le pain l'éducation c'est le premier besoin de peuple donc faut que nous capable prioriser éducation parce que seulement éducation qu'a retiré pays à dans sa lia et gon parole on voulait aller pour me dire c'est pas mandé qui Haïti n'a quitté pour ça qu'a venir mais c'est pour demander qui génération n'a quitté pour Haïti qu'a venir c'est pas mandé qui Haïti n'a quitté pour ça qu'a venir mais mandé qui génération n'a quitté pour Haïti qu'a venir donc c'est avec parole ça nous quitter bye bye tout le monde pas oublier like vidéo partager et puis quitter un petit commentaire pour nous nous ba rendez-vous dimanche prochain ou bien l'autre jour dans semaine là bye bye tout le monde à la prochaine.